Bienvenue à cette minute utile du musicien. On va faire une dernière vidéo pour le moment sur les raies, parce que là on commence à en avoir pas mal, d'accord. Et je vous donne une petite tourne comme ça où il y a plusieurs raies. Donc ce que je vais faire là, c'est une espèce de raie, d'accord. Et puis ça va nous faire du bien, d'accord. Ça fait. On peut le commencer ici. Donc là on a un accord avec une tierce. Et des neuvièmes. Je monte ça de deux cases. Et là, ça nous fait un accord un peu à la Debussy quand on vient de là. Parce qu'en fait, on a une dièse 11, d'accord. Et cette dièse 11, elle fait du bien. Ça donne une couleur très chatoyante et très impressionniste. Ensuite, on peut faire un comme ça. Ça, c'est un mineur, ok? Parce qu'ici, on a la tierce mineure, d'accord? Il est joli celui-là aussi, hein? Avec sa neuvième aussi, d'accord? Et puis ensuite, on peut finir, par exemple, pour un sus 2, sus 4, sus 2, 4. D'accord? Avec la seconde et la quarte. Donc, ça nous ferait ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on reste en ré, on est dans une espèce de plage en ré mineur, mais après on magouille cet accord pour qu'il ait plusieurs visages et qu'il fasse comme des espèces d'effets moirés, comme quand on se regarde dans l'eau qui bouge, tu vois des bouts, mais c'est pas juste une photo de toi où tu dis ah bah ça c'est Bob. Non, là c'est des petits reflets de Bob, tu dis oh mais c'est Bob, mais non c'est pas Bob, ah mais c'est pas Mella, et ça change, et ça devient une espèce d'idée de flou de Bob. Ça, c'est ça de la gueule, d'accord. Donc, faut pas hésiter. Alors, ça va pas pour tous les styles, mais moi, je pense que ça peut être vachement bien pour vous d'enrichir un petit peu vos grilles. Donc, quand vous avez un ré mineur, bah, commencez un peu à lui tordre le cou, essayez de rendre ambigu. Ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté, c'est le flou. Les choses vérités, véritables, sont pas du tout intéressantes artistiquement. Vous avez tout un PDF qui reprend les 5 vidéos sur ces rés. Avec toutes les positions, parce qu'on en a vu déjà plein là, il y en a, je sais pas, 10 en tout. Hein. Donc vous avez plein de raies, il y en aura d'autres dans le PDF que je n'ai pas joué là. Il y aura marqué aussi où est-ce que vous pouvez les utiliser, à la place de quoi vous pouvez les essayer. Après, quand ils vous plaisent, vous les prenez, quand ils ne vous plaisent pas, vous ne les prenez pas. Parce qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. Pour avoir ce PDF, bah, c'est hyper facile. Le plus, sous la vidéo, ça déroule la description, il y a un lien, je m'inscris et à tout, je suis inscrit. Je reçois un lien d'accès à toutes les ressources, tous les PDF, des 500 vidéos, des e-books et des vidéos inédites. Mais il y a aussi un autre lien qui est là pour étudier la biomécanique. Si vous avez des problèmes avec vos accords et les solos, la vitesse, mais aussi la force en accord. Vous êtes débutant, vous vous dites « mais il faut forcer trop fort pour faire les accords ». Ce n'est pas que vous n'avez pas assez de force et ce n'est pas que ça va venir, c'est que vous êtes mal placé. Normalement, il n'y a pas besoin de force si vous êtes placé parfaitement. Allez, on s'abonne et puis on clique sur la petite cloche pour être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao.